Donc une manifestation avait été appelée à 15h aujourd'hui sur le parvis de la gare de Sarcelles-Garges. Elle avait été interdite par mes soins. Elle s'est néanmoins tenue un quart d'heure, puisque très rapidement, l'organisateur a demandé au respect de l'arrêté d'interdiction et la dissolution, à la dispersion des manifestants. Mais très rapidement, plusieurs dizaines de jeunes, même 200 jeunes, en réalité étaient venus là, non pas pour manifester, mais pour casser, et se sont attaqués à des magasins, à du mobilier urbain, à des lieux de culte, aux deux synagogues, notamment de Garges et de Sarcelles, à des véhicules. Ces petits groupes, très mobiles, ont ainsi dégradé une partie de l'après-midi. Les forces de police ont été très mobilisées, elles ont interpellé. Il y a eu 18 interpellations et ces interpellations sont en train d'être examinées par le parquet pour être transformées dans la plupart des cas, je l'espère, en garde à vue. Avez-vous un chiffre concernant les blessés ? Alors, il y a 3 blessés légers du côté des forces de police. Voilà ce que je peux dire. Pardon. Il y a également une personne âgée, une personne de 91 ans qui habite au-dessus d'une pharmacie qui a été incendiée. Cette personne a inhalé des fumées elle a été hospitalisée. Aujourd'hui, ces jours ne sont pas en danger à l'heure où je parle. Il y a eu apparemment une agence bancaire, Pôle emploi, un débit de tabac, le commerce, une pharmacie, etc. Est-ce que on est dans le domaine de la casse pure ou est-ce qu'il y a un règlement de compte, un affrontement interconfessionnel déguisé, puisque les biscuits appartenaient à des juifs, le tabac à des chrétiens? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là ou est-ce que c'est de la casse pure? On voit bien qu'il y a de la casse et de la délinquance d'appropriation, hein, et un certain nombre des interpellations portent d'ailleurs sur des gens qui ont été pris dans les magasins en train de voler, tout simplement. Mais on ne peut tout de même pas passer sous silence que des synagogues ont été très clairement attaquées et qu'un certain nombre des commerces, et notamment l'épicerie Naouri qui avait fait l'objet d'un attentat il y a 2 ans, a lui-même été vandalisé et incendié. Quand vous dites attaquer, ça veut dire quoi très exactement? Est-ce qu'il y a des dégâts sur les synagogues? Ça veut dire que des dizaines de personnes sont allées lancer des cocktails Molotov et s'attaquer avec des bâtons et étant masqués ou casqués aux forces de l'ordre qui étaient devant ces établissements, ces lieux de culte pour les protéger. Est-ce que vous attendiez à une telle virulence ou violence parce qu'avec tous les CRS qui étaient mobilisés, ou est-ce que vous avez dû appeler des renforts et beaucoup plus? Alors, il y a eu... clairement, une grande partie des jeunes de cet après-midi n'étaient pas là pour manifester, ils étaient là pour casser. Et donc, effectivement, ils étaient à la fois très mobiles, par petits groupes de 10, 15, et très violents. Donc, nous avons appelé des renforts, effectivement. Le dispositif initial était important, était significatif, mais nous avons appelé des renforts et nous avons des renforts ce soir et toute cette nuit pour assurer l'ordre public. Est-ce que la sécurité est revenue là? Est-ce qu'il n'y a pas d'hélicoptère dans le ciel? Mais est-ce que le calme est revenu ou est-ce que c'est un calme précaire? Le calme est revenu à l'heure où nous parlons. Je ne sais pas de quoi sera fait la nuit, donc je suis prudent. Ce que je peux dire, c'est que les moyens sont à ma disposition, que je sécurise l'ensemble des lieux sensibles, et notamment les lieux de culte, les écoles de la communauté juive, mais aussi tous les autres lieux publics, et bien sûr les lieux privés, les magasins, l'ordre public. Voilà. Certains ont évoqué des provocations de la part de la LDJ, la Ligue de Défense Juive. Avez-vous plus d'informations? Il n'y a pas eu d'affrontement entre les uns et les autres, et c'était l'essentiel. Moi je constate on ne peut pas parler ni de provocation d'un côté ni de provocation de l'autre. Il y a eu à l'évidence des exactions.
qui sont de l'ordre de, des violences urbaines et qu'elles se sont focalisées sur un certain nombre de lieux ou de bâtiments ou d'institutions de la communauté juive. Aujourd'hui, c'était le jour le plus sanglant à Gaza. Interdire une manifestation lorsque les gens sont en colère, veulent exprimer leurs sentiments, est-ce que c'était la bonne solution aujourd'hui ? Dans le département du Val d'Oise, il y a eu plusieurs manifestations cette semaine. Elles ne présentaient pas de risque d'ordre public. Je n'ai pas pris d'arrêté d'interdiction et elles se sont déroulées correctement et sans incident. Cette manifestation, compte tenu de sa situation, compte tenu de l'importante communauté juive qui réside à Sarcelles, de la proximité des synagogues, présentait des risques très significatifs, et c'est la raison pour laquelle je l'ai interdite, et je crois que les faits démontrent que j'avais raison de le faire. Merci beaucoup.